Voilà. Donc après beaucoup de fails, on démarre le recording. Bonjour YouTube. Bonjour YouTube, it is the fail. Top 25, tu parles à un des meilleurs pilotes. Ouais, Vivrox, il se la raconte. On peut jamais consulter son résultat. Sur ces belles paroles, je vais manger. Ça marche, Vivrox, bon appétit à toi. Donc du coup, ça, on l'avait déjà fait au-delà de ça. Il faudrait qu'on le refasse pour améliorer notre score, mais on l'avait déjà fait. En vrai, on va revenir un petit peu à un stream pause-déj normal, s'il vous plaît. J'aimerais pouvoir retrouver mes petits. On va aller visiter un truc sympa. Moi, ce que je voulais visiter et qu'on n'a pas encore eu le temps de visiter, c'était... Bonjour tout le monde, j'entends qu'on démarre juste le live. on fait comme si. Moi, je voulais aller voir les moulins en... Comment ça s'appelle en... Donc en Hollande, là on est quoi? On est à l'Atomium, donc là on est à Bruxelles National, je l'étais marqué juste au-dessus mais je ne l'avais pas vu. Philips Stadium, Windmills, voilà, Windmills à Kinderkitsch, ça doit être ça. Donc moi je veux prendre ça, je vais aller prendre du coup... Reviens ici toi. Je vais aller reprendre mon petit Savage Cube. On va s'assurer qu'on est bien en tous les wars, voilà, ça c'est bon, tac. Définir comme point de départ, démarrer le vol... Et du coup, papa, je te prends meilleur atterrissage du monde. Voilà, merci, Odou. Au moins quelqu'un qui suit et qui a pensé à clipper le truc. Jean Roulin pour... What? Qu'est-ce que c'est que ça, Marocchino? Bonjour à toi, déjà. Bienvenue sur le live. Et c'est quoi? C'est les moulins? C'est ça que tu voulais... C'est le petit jeu de mots du moulin. N'importe quoi. Alors, il faut comprendre qu'on a quand même bien merdouillé le début du live. Ça a été à peu près le début de live le plus chaotique qu'on ait pu avoir. Mais il était tellement beau qu'il fallait... Non, mais il fallait clipper, Oudou. Il fallait... Moi, normalement, j'ai un bouton automatique pour clipper, mais il prend les 30 dernières secondes. Donc, concrètement, il était déjà trop tard pour clipper. Mais clairement, je serais revenu sur le live et j'aurais balancé derrière le clip en fin de live. Obviously, on l'aurait balancé dans le Discord parce que c'était indispensable. Et maman qui vient s'abonner. Et ça c'est cool parce que ça c'est la maman qui vient filer un coup de patte et ça fait plaisir. Et on enchaîne tout de suite après avec le follow de Marocchino. Merci beaucoup à toi Marocchino. Alors on va se lancer déjà le live, on va aller voir les windmills qui sont quelque part par là, on va réduire les gaz, on va enlever les POI, et juste après Marocchino, je t'explique le concept quand même de la chaîne. Non, c'est dans l'aide à la navigation. Les POI désactivés, on enregistre, on retourne. Voilà, on va pouvoir reprendre un petit peu le cours de notre live. Merci à tous d'être toujours là malgré ces fails fantastiques. Alors, le principe de la chaîne, c'est quoi? C'est qu'il y a la pause déj. C'est tous les jours du lundi au vendredi, de midi à 13h, normalement, sauf quand moi, j'ai pas des réunions qui traînent quelque part. Et voilà, donc dans le chat, vous donnez les destinations que vous voulez aller visiter. Donc celle de Papa Noël, je l'ai bien notée, on ira la voir tout à l'heure. Et on va visiter tout simplement les coins que le live veut checker. Et donc ça, c'est tous les jours, tous les midis, du lundi au vendredi. Et au-delà de ça, vous allez avoir du live un petit peu. En ce moment, on live le soir et le week-end. On va liver sur Outrider, on va liver sur Unlisted, qui est en open beta, le Dernier Gaijin. Et puis le vendredi soir, on essaie de se faire une soirée un peu spéciale tous ensemble, viewer streamer. Et le samedi après-midi, on essaye de faire du coup streamer versus viewer. Voilà, grosso merdo, un petit peu l'idée, le concept un peu de la chaîne. Et salut Freiné, comment vas-tu, mon copain? Et voilà Papa Noël qui nous fait des zigouigouis tout autour, là. Bon, on va serrer un peu le virage. Probablement qu'on va décrocher un poquito. Oh, bah ça, c'est intéressant, ça, au moment où tu veux aligner ta cam. Voilà. Et ben voilà, les petits windmills. Petit reflet sur notre gauche, là, très intéressante. Ils sont sympas, les windmills, dis donc. Putain, ils sont bien faits, hein. Waouh. La classe, sympatoche. Alors attendez, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. On va se mettre là, on va remettre du gaz, on va faire pause, tac.
Et ce qu'on va faire, comme on fait régulièrement, on va se mettre en vitrine, là, pof. Et on va aller se checker une petite photo, quoi, voilà. Une petite photo. Ah, il y a Papa Noël qui va s'aligner juste derrière nous. Est-ce qu'on va avoir le temps de prendre la photo où il passe? Hop là. Oh merde, dommage. T'as apparu en transparence, t'es passé un chouïa trop près, zut. Bon, il va refaire un tour, c'est sûr. C'est sûr, on le connaît, le Papa Noël, on sait qu'il va revenir. On sait bien qu'il va revenir, le Papa Noël. J'aurais bien aimé avoir un peu plus de couleurs dans le ciel, là, c'est un peu beauf. Hop là, voilà, tac, ça s'est pris en photo. On va se prendre un peu plus de couleurs in the sky, parce que voilà, en fait, la temp... Voilà. Là, on est bien, là. Là, on a un joli truc. Est-ce qu'il y a moyen de s'aligner, histoire d'avoir un peu plus de... Comment dirais-je? D'avoir un peu plus de... Voilà, on a trois moulins ici, là. On va faire comme ça, histoire d'avoir les trois moulins plus le soleil. Voilà, on est bien, là. Là, on est bien. On va s'aligner comme ça. Voilà. Et là, on a tout ce qu'il faut. On prend la photo. C'est parti, mon kiki. Des moulins, c'est la révolution! Jeu de mots historique inside. C'est là qu'on voit qu'il y a trop d'arbres et surtout trop grands. C'est vrai que les arbres, du coup, tu te rends compte que les modèles d'arbres sont pas calés comme il faut, quoi. Tu vois bien que les arbres sont aussi grands que les moulins et c'est un peu too much. Soyons pas nets. Mais ne faisons pas la fine bouche. Clairement, ne faisons pas la fine fouche. Ne faisons pas la fine bouche, profitons quand même de ce que le jeu a nous donné, n'est-ce pas? Genre ces petites couleurs orangées là, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on kiffe. Voilà, les petits moulins, le reflet du soleil in the water, qui ça, smoke on the water, hein, qui sont vraiment toujours incroyables. Et ça là-dessus, bah, je suis désolé, mais voilà, moi j'ai rien d'autre à dire que bah, on kiffe. Ça, on kiffe ce genre de choses, hein, les copains. Moi j'aime bien ça. En tout cas. Alors attendez, je vais juste réduire ça. Merde, du coup, je vais... Où est-ce qu'il est? Il est où, lui? Il est là. Tac. Où est-ce qu'il est, notre cher Papa Noël? Derrière nous? Non? Ouais, regardez-moi ça. On va pouvoir se faire une jolie photo, là, encore. Une jolie photo avec des couleurs sympas. On va repasser vite fait. Oh, rends-moi ma souris. On va repasser vite fait en mode vitrine. J'ai pas assez de musique, moi. Je vais monter le son pour moi, en fait. Oh, c'est sympa aussi, comme ça. Oh, c'était pas l'angle de vue que j'attendais, mais c'était sympa. Maroquino, en même temps, s'il commence à régler la taille des arbres et la densité pour chaque petite zone, le jeu serait sorti dans 10 ans. Ah non, mais clairement. Mais au-delà de ça, c'est vrai que leurs modèles d'arbres de base sont trop grands, en fait. Oh putain, là, on va se faire un reflet sur Papa Noël, là. Ça va être parfait, là. Tac. Oh là là, la belle photo. Là, on est sur de la belle photo, les copains. Est-ce que on peut avoir... derrière, on a encore les machins, là. Où est-ce qu'il... Mais il est passé... Mais il est barré où, papa? T'es où? Ah, il est parti là-bas, d'accord. Il est parti en piqué, tant pis. Oh, on voit les moulins là, mais c'est moins intéressant. C'est moins intéressant. Bon, du coup, on va aller se regarder les coordonnées de mon cher Papa Noël. Je serais bienvenu... Mais écoute, Freiné, mais viens donc. Mais le Game Pass est plus le porte-monnaie assez fourni. Ah! Ah! T'as pas... c'est trop tard pour profiter de l'offre des 3 mois à 1€, loulou? J'ai failli cliquer sur quitter le jeu. Le mec était vraiment dans le fail absolu jusqu'au bout, quoi. Alors, attendez, on va aller récupérer les coordonnées de notre cher Papa Noël, les moins 34... Et du coup, Franck, tu continues ton petit jeu de se dire... J'essaie de deviner les coordonnées... Tu crées un nouveau compte pour Carotte, l'offre à nouveau. Eh, il y a ça aussi. Mais après, le problème, c'est que tu perds tes sauvegardes et tout, machin, etc. C'est pas toujours le truc le plus simple du monde. Alors déjà, on n'est pas au même... visiblement, on n'est pas dans les mêmes... définir comme point de départ. On est où? On est international du Cap. Oh, putain, trop bien. Du coup, on est en Afrique du Sud. Yes! L'Afrique du Sud. C'est mobilisé, ça, copain? On va aller voir ça. On va voir ça. Alors du coup, là, si on est près des trucs comme ça, donc clairement, on se pose pas trop de questions. On va chercher le Cup Float. Voilà. Cup Float, tac. Et c'est parti, mon quick-quick. Espérons que ça soit comme dans le trailer. Pourquoi? C'est un truc que t'as chopé dans le trailer, c'est ça? Là, je continuais mon yaourt, du coup, j'ai pas suivi les cornets du chat. Ah bah bravo, Franck, bravo. Dans le trailer Africa de FS 2020. Il y a un trailer africain? What? De... What?
Oui, qu'est-ce que c'est que ça? Africa, la chanson? Oh! 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 Oh, c'est ma foi fort sympathique. Oh, bah j'aime bien. C'est pas ultra ultra modélisé, mais ce qu'on voit est propre. Franchement, propre. Oh! Et du coup, c'est quoi? C'est Cape Town là? Qu'on a? Et on se recasse déjà la gueule. Super, magnifique. Ah, mais cet avion quoi! Moi, j'arrive pas à comprendre comment on n'arrive pas à tirer un peu plus de puissance de cet avion. C'est un truc de fou quand même. Sur la droite, c'est beau. Ah non, mais clairement, là, on a des trucs... Déjà, ce rocher, là, qui est là-bas, on va aller y faire un tour, là. On va aller passer au-dessus. Enfin, ce rocher, cette chaîne de montagne. Ce petit caillou, là, il est quand même fort sympathique. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il me coupe le moteur, cet abruti? Mais quel bouton j'ai fait pour que tu coupes mon moteur, toi? Mais... Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Conflit de touche. Bah, je sais pas, conflit de touche. J'ai jamais eu de conflit de touche. J'ai pas changé de touche depuis le début du jeu, quoi. Bah non, les 50 miles à l'heure, là, il est pas du tout... On perd là, complètement de la puissance, là. On a la mixture qui est manette au tableau. Il y a un moment... fuck, quoi. Et normalement, non, j'ai pas de... Je vois pas pourquoi j'aurais un conflit de touche, là, d'un coup. Au petit bonheur la chance, quoi. Pourquoi il veut pas y aller, cet abruti? Alors déjà, j'ai mon trim qui est en train de partir aux alouettes, là. Voilà, on va remettre ça dans le verre. C'est un truc de fou, cette histoire. Qu'est-ce qu'il me fait comme connerie, lui? Qu'est-ce que j'ai qui tripote... Tiens, j'ai un papa Noël qui passe, déjà. Allez, on va essayer de tenter de monter un peu quand même, pas beaucoup, mais un petit peu, quoi, histoire de voir un peu, d'avoir un peu... T'as l'autopilote qui essaye de faire sa loi aussi. Mais ouais, clairement, je... Attends, mais il est activé l'autopilote ou pas? Hop, par là. Oh, j'ai fait une connerie. Oh là. Là, l'autopilote, il est éteint, on est d'accord. Allumé, éteint, voilà, autopilote coupé, hein, ferme ta gueule, l'autopilote, de base. Et derrière, désactiver l'interrupteur général de la batterie. Bon, on est d'accord, on est sur on. Ça, on touche pas, normalement. Je crois gnogneux, quoi, à un moment. C'est quand même insupportable. Bon, en tout cas, la zone, ouais, est sympa, là. Hein. On a quand même un truc qui est pas dégueu. Bon, par contre, on est avec nos 80, miles, alors qu'on est sur un Vario qui est à peine à 260. On prend pas de vitesse. Autant vous dire que je la comprends pas, la logique du jeu, là. On est en alti pourtant? Non, on n'est pas si en alti que ça en plus. On est quoi là? Tu parles, on est à que dalle là. On est au niveau de la mer. Pas déconner quoi à un moment. Enfin bon. C'est pas grave. Tant que ça vole, on va dire que ça passe. En tout cas, ouais, cette anse là était plutôt sympathique. Hein. Ah, on a notre cher Papa Noël qui repasse au-dessus de nous là. Putain, mais moi je comprends pas quoi. Je suis plein gaz. J'ai l'engine qui est à peine à moitié. Et je perds encore de la vitesse alors que j'ai un Vario à 120, quoi. Il y a une logique que je comprends pas, là. Il y a un truc qui m'échappe. Je ne sais pas encore où, mais il y a un truc qui m'échappe. Manette des gaz cassées. Bah non, manette des gaz cassées. Non, regarde, tu vois bien. Regarde mon truc, là. Il m'indique bien que je suis à fond. Je suis full gaz, hein. Faut que tu regardes. Non, elle est pas cassée. Regarde, elle est parfaitement active. Et elle est... on voit en bas à gauche qu'elle est à 100%. La manette des gaz est à 100%, c'est l'engine qui suit pas. Et j'en déduis que c'est parce que potentiellement c'est la vitesse de rotation des disques qui est calée à 50% et qui veut pas aller plus. Ou la richesse, je ne sais pas. J'avoue que... On commence à réaccélérer un petit peu, mais je suppose que c'est parce que j'ai un Vario négatif. Je sais pas où est mon Vario d'ailleurs là-dessus. Tiens, ça c'est vrai que j'ai une bonne question, je ne sais pas où est mon Vario sur cet avion là, vu de l'intérieur.
Bonne question. On cherchera plus tard. Bon, où est-ce qu'on va maintenant? Je vous joins sur la prochaine. Avec grand plaisir, Loulou, avec grand plaisir. Qui c'est qui a une destination pour la prochaine? Oudou, Oudou, qui nous balance du 51-20-3-22. Allons-y, on va aller voir ça. Allons checker ça, tout de suite. Menu principal. Let's go. Tiens, d'ailleurs, normalement, j'ai ça d'ouvert, normalement. Hop. Alors, c'est quoi les coordonnées que Odoo nous a filées? Où est-ce qu'on va? Bruges. Oh, trop bien, Bruges. Ah ouais, il va y avoir ça, Bruges, normalement, avec le nouveau. T'as l'Alti juste à côté de l'horizon artificiel et le Vario est sur l'Alti. Petite fenêtre en haut ou en bas du bandeur d'Alti et ou aiguille superposée dessus. D'accord, faudrait que j'essaie de regarder là-dessus. Oui, mais pas en photogrammétrie. Bon, on semble, à la limite, que ce soit pas en photogrammétrie, c'est pas grave. L'important, surtout, c'est que ce soit modélisé, qu'on ait un POI sympa, qu'on voit 2-3 trucs, quoi. Ah, on voit des choses. Qu'est-ce qu'on a là? On a le Church of Our Lady Bruges, on a Belfry of Bruges, et juste en dessous de notre point à nous, il y a quoi? Casse-toi le point. Enlève-toi. Alors attends, dégage. Voilà, merci. Provincial ouf. On va tourner aux alentours de ce truc-là, on va démarrer de là, là. Définir comme point de départ. On va pas prendre cette merde là qui va m'énerver. On va revenir à notre... On va prendre celui-là, tiens. Celui-là, je l'aime bien avec ses gros boudins. Il est rigolo. Tintin. Alors, les conditions de vol ont pas l'air terribles. C'est bizarre. Bruges, c'est pas si loin que ça de Bruxelles. Et excusez-moi, mais il fait quand même vachement beau. Hein. On verra bien quand même. C'est parti, démarrer le vol. Oui, il y a un point d'intérêt sur Microsoft Flight Sim Map. Super. Le palais provincial de Bruges. Oui, mais c'est à la côte. Ouais, c'est à la côte, mais bon, c'est quand même pas si loin que ça, vol d'oiseau, quand même. J'ai envie de dire. La météo est différente. Oh, c'est abuse. Moi, je dis c'est abuse, hein, parce que moi, j'ai vraiment aucun... je regarde ma fenêtre, là. J'ai pas un pet de nuage. Hein. On va aller voir ça pendant le... Je vais regarder s'il y a un bout de nuage, quand même. Moi, j'ai rien, monsieur, hein. Moi j'ai rien du tout, hein. Moi j'ai quelques chemtrails qui se baladent, mais j'ai pas de nuages. Hein. Bon d'accord, ça a l'air dégueulasse. Ah, voir Bruges et mourir, on a dit, c'est ça, hein. Ah, c'est intéressant. Bon, on a compris, hein. On a saisi l'idée. Hop, quelques nuages. Hop, et voilà. Oh, plutôt sympa au-delà de ça, la modélisation de Bruges, là. J'aime bien. Par contre, je vais remettre les POI parce que du coup, je saurais pas les situer exactement. Donc, je sais pas où ils sont. On va arrêter de tourner en rond déjà comme un coquin là. Échappe. Il faudrait avoir un bouton qui permet d'activer et désactiver les POI. Ce serait quand même vachement pratique. Je regarderai s'il n'y a pas un truc qui permet de faire ça. Marqueur de PI activé. Hop. Alors, c'est là-dedans que ça se passe. Ok, super. On va aller couper les gaz et on va aller voir. Faut toujours écouter Papa Noël. Ouais, je sais, mais par principe, à chaque fois qu'on a fait une prédiction, Papa Noël, il a voté contre moi. Donc, par principe, je suis contre Papa Noël. C'est une question de principe. Tu vois, même lui, ça le fait rire. Alors, Church of Our Lady Bruges. Allons voir ça de plus près. On va rezoomer un petit peu parce que du coup ça nous fait une déformation quand même assez dégueulasse en termes de vue. Ah, ça a de la gueule, hein. C'est pas dégueu du tout, ça. Ah, intéressant. On va mettre un peu de flaps. Histoire de réduire encore la vitesse. Hey, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, on va se faire une petite pause à un endroit, là. Et hop, tac. On va se remettre en mode caméra. Enfin, mode vitrine, pardon, tac. On va peut-être enlever les POI, parce que du coup, les POI vont s'afficher, voilà, et ce qu'on veut pas, concrètement, parce que c'est moche. Hey, ah, on l'aime bien, comme ça, là. Tac, et Papa Noël qui en profite pour passer tranquillou. On va enlever...
Assistance. Nav, on enlève les POI. Tac, 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 tac. Et voilà, c'est pas dégueu ça. C'est pas dégueu, ce serait pas mal qu'on arrive à peupler un petit peu peut-être... qu'on arrive à peupler un petit peu le ciel avec un chouïa plus de nuages quand même, parce que là c'est un peu pas terrible. Ou alors une autre heure du jour, histoire d'avoir une luminosité un peu sympa. Ah, 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 ça c'est intéressant là. Là on a commencé à avoir de la lumière sympa sur le truc là. Toi qui es ici, toi qui es plus haut, donne-nous un petit peu de nuages, pas trop sinon c'est la merde. Tac, ici... Un tout petit peu plus, mais pas trop non plus. Couverture plus réduite. Ici, couverture plus réduite. Voilà. Là, un peu plus. Tac, mais un peu plus en haut ici. Voilà. Voilà, là, on a un ciel qui est un peu plus peuplé, quoi. Sur le bidule. On tripote un peu le machin. On regarde un petit peu sur le bidule. On check si sur le zigouigoui, ça passe. Et voilà. Voilà comment on fait une jolie photo. Hop là, photo. Du coup, on va pouvoir repasser en vue externe. Paf, enlever la pose. Et puis, roule ma poule. Ah, c'est sympa comme tout. Bon, après, les canaux sont dégueulasses, hein, mais ok, les... Comment ça s'appelle les... Ça, c'est joli aussi, ça. Oh, oh c'est joli, ça. Je vais faire un stop aussi, là. Juste au moins pour regarder ce que c'est, parce que c'est vachement bon. J'étais allé à Bruges, on est allé à Bruges avec la chérie quand on est arrivé un petit peu. Est-ce que j'ai vu ça? Je suis pas sûr, peut-être. J'ai le doute, je me souviens plus. En tout cas, c'est sympa, là, les petites horloges et tout. Ça a de la gueule, hein. Si personne ne propose destination. Ça marche, on y a... Ah! Et c'est le Deep Freeze! Ah, on pourrait s'aligner un peu, là, regardez. On s'aligne un petit peu au-dessus, là. Hop, tac, comme ça. Hop. C'est rigolo, ça. Hop là. Au sommet. Sympa, ça. Oh, ça, j'aime bien. Hop. Hop, hop. J'aime pas cette chanson. Il faut que je l'enlève, il faut que j'enlève de la playlist. Celle-là, on l'aime pas trop. Hein. Hop, ça dégage. Alors, affaire au coucher de soleil, d'accord, très bien, bah écoute, on va aller voir ça. Après, au-delà de ça, c'est vrai que Bruges était quand même une jolie ville. En plus, nous, on a eu quelque part de la... Je sais pas si on peut appeler ça de la chance ou pas. On a eu la chance d'y aller juste après le premier déconfinement. Donc en fait, ça bougeait, il y avait pas trop de monde, les rues étaient un peu vides. Et du coup, on a eu l'occasion, en fait, vraiment de découvrir Bruges quand il y avait... Personne quoi, mais vraiment personne de chez personne, c'était assez impressionnant. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas typiquement le dernier resto qu'on ait fait depuis. Le grand NP au sud-ouest de Lille. De quoi on parle? Vous êtes sur quel data center? Normalement, on est sur Europe de l'Ouest, Loulou. Attends, on va aller checker les coordonnées. Du coup, on va se remettre sur les coordonnées de copain papa. Tut, 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 tut. Si, la chance, quand c'est souvent blindé. Bah ouais, c'est ce qu'on nous avait dit que Bruges, justement, c'est Papa Noël du Hugo, je crois, qui nous avait dit que justement Bruges était très souvent blindé et tout. Et pour le coup, ouais, le. J'ai envie de dire le coup de cul, oui et non, parce que bon, c'est quand même lié, à ce Covid un peu d'agilence. Donc, tu nous as dit en coucher de soleil, donc on va se mettre là, par là, tac, voilà, coucher de la soleil. Il nous faut un avion un peu performant ou on peut garder notre... Ouais, ça a l'air d'être... Où est-ce qu'on est exactement là? Attends, mais on est où là? Ok, on est au sud de l'Australie. Peut-être falloir qu'on aille encore un peu plus loin en... Attends, là on est en... Ah non, mais on est en levée de soleil là. Donc ça, là on sera en coucher de soleil, voilà, tac. Et on va peut-être prendre un TBM du coup, parce que ça m'a l'air d'être un petit peu... Tu peux garder ça pour voler tranquillement. D'accord, alors on garde ça. Tac. Merde, j'ai pas pris... Bah, je reviens sur toi. Allez hop, définir comme point de départ. Paf. En Tasmanie. Recommencez pas vos conneries entre la Tanzanie et la Tasmanie. Hein. Je me suis assez ridiculisé la dernière fois qu'on y est allé. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Merde, je suis en condition réelle. Et en condition réelle, je crois que Taz a bavé du coup.
Et il m'en fout plein les vitres. C'est dégueulasse. Alors hop, hop, hop. Voilà, voilà, voilà. Et du coup là le vent s'arrête d'un coup. On récupère les gaz. Oh, c'est joli. Oh. Oh, ça on aime. Oh, ça on aime, mais du coup la musique n'est pas du tout adaptée. On va changer la zik. Ouais, c'est peut-être mieux. Hop. Oh, salut toi Arthur Miming, comment ça va? C'est Jenny ou papa ou les deux? Comment ça va les copains? Ah, on est sur un horaire complètement décalé là, hein, qu'on soit clair. Hein. Normalement, j'aurais dû commencer à midi. On a commencé à midi et demi. Vive la joie des réunions qui finissent à pas d'heure. C'est Jenny. Coucou. Comment ça va, Tibien? Ah, c'est con, vous venez de rater Bruges, dis donc. On vient de passer à Bruges, les copains. Tonton Zidane, what the fuck, le pseudo. Où ça? Où t'as vu, Tonton Zidane? Il y a quelqu'un avec nous qui est Tonton Zidane, c'est ça? C'est toi, Marocchino? T'es quelque part avec nous, c'est ça? Avec ton pseudo Tonton Zidane? C'est moi. C'est Marocchino. Hé, hey, Tonton Zidane, je te préviens, tu me mets un coup de boule, je te gifle. Ah, oh, c'est beau. C'est beau. Moi, je suis bien, là. Je vais ralentir un petit peu. Je vais stabiliser, voilà, aux alentours de 90 nœuds. Je vous laisse rassembler sur moi si vous êtes là tous les deux, les copains. Sinon tranquillou, hein. Ah, oh, on va kiffer là, tranquille. C'est pas grave, j'aime pas Bruges. Bon, c'est bien. Dans ces cas-là, c'est pas grave. Donc, nous voilà au sud de la Tasmanie. Putain, je suis obligé de faire gaffe à ce que je dis entre la Tanzanie et la Tasmanie, tellement je me suis planté, quoi. Donc voilà, là, on est sur la Tasmanie, au sud de l'Australie. Et Rob Ivrox, comment tu vas? T'as bien mangé? C'était bon? Prêt pour la digestion devant le live? Ça, hein. Trop mangé. Ah ouais, donc du coup, ouais, tu... Bivrox, il va être comme ça, tu sais, devant le live, en mode... Oula. Ah, ça a de la gueule, là. Moi, j'aime bien l'endroit, là. On va se mettre en mode vitrine. On va se prendre quelques photos, là. Ah, ça a de la gueule. Pareil, bien mangé, je comate. J'ai beaucoup trop mangé. Ah bah bravo les mecs. Et moi j'ai pas encore mangé, dites-vous. J'ai pas encore mangé, moi, et je reprends le taf après. Ça sent l'urgence, ça sent le emergency quick, ça. Eh bien, bon comatage à tous. Ah, c'est beau, ça. Ça, on aime, ça. On va se laisser descendre, hein, tranquillou, on va couper les gaz, et puis on va se laisser couler. Ah, 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 on va remettre un peu de gaz, du coup, parce que si les copains arrivent... Hop là, on va restabiliser un poquito. Ah, on va avoir des jolies photos, ça, si, ça, on aime, ça. Hop. Hop, hop. Du coup, c'est qui est derrière? C'est Papa Noël ou c'est Marocco? Marocchino, pardon. Merci, en plus, mon petit garçon posé sur mes jambes, il est tout chaud, on dirait une couverture. C'est vrai qu'on approche de la sieste. C'est quoi comme quel est l'avion? L'avion, on est sur un cube, mais on est sur un cube... tu vois, ici, il est sur un cube, entre guillemets, il est sur le X-Cube. Et moi, je suis sur un cube... Ah! Le freeze! Moi, je suis sur un cube particulier téléchargé sur flightsim.to. Qui du coup est un truc avec des gros boudins. Et salut Trickel, comment vas-tu? Du coup on a freeze, donc copain est juste en dessous, voilà, tac. Ah, on est pas mal aussi là. Là on va avoir une jolie photo à faire là. Plein. Zlin Gravel. Ah c'est quoi? C'est le nom qu'il y a derrière là? Gravel. Je ne sais pas, je ne connais pas. Gravel Special Edition. Alaskan Bushwheel. Bah écoute, ça va fort bien. On a eu quelques faillances, on va dire, en début de live. Mais ça va mieux. On s'en sort mieux.
totalement, il est cool, totalement cheat, mais cool. Bah écoute, le but du jeu d'un truc de bouche, hein, c'est de venir se coller un peu n'importe où, se caler un peu n'importe où. Hein. Je dois vous laisser, bisous à tous, salut, bisous Oudou, à très bientôt. À tout bientôt, c'est cool que t'aies pu passer, si t'étais disponible, ça c'est chouette. J'ai été retenu. T'es en retard. J'ai été retenu, d'accord, j'avais pas compris. Flip. Ah, je sais pas si on peut... Ouais, on peut essayer de faire un petit flip avec celui-là. Ça va être sympa. Attends, on va regarder vite fait. Je suis en commande, là ? Non, je suis en caméra encore. Je suis encore en caméra. Alors, attends, du coup, on va dézoomer la cam, histoire de voir un peu ce qu'on fait. Et puis, on va se faire un petit flip... On va se remettre du gaz, et puis on va se faire un petit flip sympa. Wouh ! Hop là ! C'est con qu'on puisse pas changer la caméra en cours de route. Ah, sympa la lune derrière. Oh, putain, vous avez vu? On est juste en train de regarder derrière nous plutôt que de regarder derrière, et bam, le changement de vue est incroyable, quoi. Le changement de décor, truc de fou. Bon courage pour l'après-midi, en tout cas, Oudou, merci beaucoup d'être passé, ça fait toujours très plaisir de vous voir venir et de vous voir revenir. Ça, c'est le plus grand kiff qu'un streamer puisse avoir, c'est de vous voir revenir. J'arrête de passer demain si je peux. Super, merci beaucoup, Oudou. On va se laisser redescendre un petit peu, là. Pas trop fort, pas trop vite, parce que du coup, j'ai re-enable le crash, donc on risquerait de tout arracher si on fait de la merde. Oh, ça, c'est beau, là, putain. Vous avez vu cette vue, là? La classe. Quelle heure il se fait, d'ailleurs? Parce qu'il faut que je fasse gaffe à l'heure, moi. 13h09. Ah, du coup, on va aller checker le défi d'atterrissage, qui normalement est à midi et demi, mais là, on a une demi-heure de décalage. On remet un peu de gaz, c'est bien, là. Ah, vous avez vu cette brume un petit peu aux alentours, là? Pourquoi tu montes, copain? Pourquoi tu montes? Non, faut pas monter, ça. Il faut pas faire ça, monsieur. Non. On va trimer un peu les avions, histoire qu'ils viennent pas faire de la merde, là. Le problème, c'est quand je suis en vue vitrine comme ça... j'ai pas tout de suite la main sur les commandes. Je suis obligé de passer par un switch pour pouvoir. J'aime bien quand tu fais de l'accro en cube. Presque. Au moins. Bon, est-ce que quelqu'un... Ah non, du coup, on avait dit qu'on allait faire le défi d'atterrissage. On va y aller maintenant. On va aller se faire notre petit défi d'atterrissage. Vente traviole, là, ça peut être sympa. Alors les deux qu'on n'a pas fait, bougez pas, on va aller se checker ça. Menu principal, retour, je filoche, des bisous, Nem et à Rafatou. Rafa n'est pas là aujourd'hui, elle est allée dans un, comment ça s'appelle, dans un, elle est allée voir une amie d'une amie pour pouvoir... Oh là là, Raven, bonjour Boomer, oh là là. Moi tu peux m'appeler Boomer tous les jours si tu fais ça. Bonjour Boomer, Nemesis 25 got, Nemesis 25 go. La petite voix qui fait Nemesis 25 got, Nemesis 25 got. Des bisous, Bbox. J'essaie de venir si mon jeu le veut bien, ça marche. Donc du coup bisous tout Game, bisous Jenny, tu passeras le bonjour à Poua Poua, et effectivement Rafa n'est pas là aujourd'hui, elle reviendra un peu plus tard. Elle est allée faire un atelier savon, elle va aller faire ses propres savons, dis donc. Alors on a dit partie, on a dit défi d'atterrissage, on a dit vent violent. Alors attendez, je retourne sur le Discord pour vérifier ce que nous avait dit Papa Noël. Pour les vents violents, on a Nanwalek et Kerama. Alors, Kerama au Japon et Nanwalek aux États-Unis. Nous y voilà. Donc, ce que je vous propose, où est mon clavier? On va faire un petit vote. Parce que du coup, comme je suis sur deux PC, j'ai deux... et Funchal et Violent aussi. Mais Funchal... Attends, j'ai plus de... Pourquoi ma souris? Rends-moi ma souris! Voilà. Funchal, Portugal, on l'a fait celui-là ou pas? Moi bon, je crois qu'on l'a fait, hein. Ça me dit quelque chose, la piste me dit un truc. Il me semble qu'on l'a déjà faite. Donc, vous allez avoir le choix pendant une minute. On va ouvrir un petit poll. Le défi d'atterrissage du jour. Défi du jour. Vous allez avoir le choix entre Kerama, oui, je l'ai bien marqué, et Nanwalek aux États-Unis. Nan
Walek. Tac. Et c'est parti. Sondage open. Vous avez une petite minute pour choisir le défi d'atterrissage du jour. In the chat, n'hésitez pas à venir voter. Nanwalek, piste en gravier et approche hardcore avec ou sans vent. Ah, putain, piste en gravier, ça va être cool, ça. Allez-y, à vos votes. 6 votes pour Nanwalek, 9 votes pour Nanwalek. Ah, là, je pense que... je suis sûr que papa est en train de claquer du poing de chaîne. Je suis sûr qu'il y en a un qui est en train de claquer du poing de chaîne pour voter Nanwalek là. Alors on est à 10-6 pour Nanwalek. Autant vous dire qu'on est 15 spectateurs. On est en train de dire... Oh là putain, il y en a 13 pour qui on a 15. Oh là, il y en a un qui contre-vote. Il y en a un qui contre-vote. Ça se fight. Ça se fight. On est à 19-15. Ça se fight dans le défi. 20-15 pour Nanwalek. Papa Noël a contribué avec 2200 points de chaîne. GG papa. Salut Ben, comment tu vas? Papa Noël, il voulait Nanwalek quoi, il y a pas moyen. 2200 points de chaîne qui claquent. Du coup, je t'offre une chèvre. Les élections sont toujours aussi truquées ici. Oh, on n'est pas en démocratie ici, monsieur. On n'est pas du tout en démocratie. Pourquoi je peux pas cliquer sur Nanwalek si c'est bon, ça va. Alors, défi d'atterrissage. L'aéroport de Nanwalek, qui est un aéroport national d'État à vocation publique, dans la communauté reculée alaskienne, autrefois connue sous le nom de English Bay. Cet aéroport comporte l'une des pistes les plus courtes des États-Unis et son approche est encore compliquée. Par une montagne abrupte au sud et une exposition régulière à des vents violents. Ça va être génial. Un jour, je battrai Papa Noël. Alors du coup, sachant qu'on est sur un truc vent violent, est-ce que vous voulez lancer un petit, une petite prédiction? Est-ce que ça crache ou pas? Histoire que Papa Noël puisse tenter de se refaire de ses points. Mouchou, si t'es là, tu nous lances une petite prédiction, stop. Est-ce qu'il va y avoir crash ou est-ce qu'il va pas y avoir crash? J'ai 45K. Allez, déjà, il y a Trickel, il vote ça crash. Il veut pas savoir. Ça crash. Je vous préviens. Ah putain, ouais, il y a du vent. Regardez un peu ce que donnent les écumes et les vagues, là. Ça nous indique qu'il va y avoir du vent. Hein. 560 mètres, c'est pas si court. Ah là là. Allez, on va se concentrer un petit peu. Donc, la piste est à notre gauche, ici, là. On la voit, c'est l'espèce de bout de... Putain, ça nous pousse déjà à droite. Ah ouais, d'accord. Oh putain, c'est chaud, là. Voilà, donc là, vous voyez que la piste, elle est là-bas. C'est joli, putain, c'est beau. C'est un bel endroit pour mourir, hein. Ça y est, la prédiction est en cours, ça vote. Je parie que ça passe. N'aime plus, c'est facile, plus il se plante. Là, il va y arriver les doigts dans le nez. C'est vrai qu'objectivement, les défis d'atterrissage compliqués, je les ai plutôt bien réussis, alors que les faciles, je me suis lamentablement planté quand même. Hein. Ok, donc là, on voit le... Vous voyez là, déjà, on voit le point de toucher qui est là-bas. Ok. Le virage, on va le faire... On va attendre un petit peu, on va pas virer tout de suite. On va se le faire, je pense, derrière la colline. On va frôler un peu les... On va le faire derrière la colline, on va tourner et on va ressortir derrière les arbres. Allez là, j'ai 5K sur ta réussite. J'ai la pression du coup. Allez, on va commencer notre virage. Putain, il y a du... Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh putain. Ah, ça commence dur déjà. Oh, c'est dur déjà. Là. La piste, elle est encore là-bas. Elle est derrière, ok. Ah, ça c'est Raven, ça c'est sûr. Ah non, Trickel, dis donc. Trickel qui nous met des... qui veut que je me crache, il nous met des chèvres. Il est comme ça, Trickel. On en est là, d'accord. Ok, je note. Saleté. Putain, le vent de face est tellement violent, j'ai l'impression de faire du surplace, quoi. Truc de fou. Allez, on se remet là. Voilà, on laisse les arbres passer devant nous. On va regarder un petit peu plus au-dessus. On coupe les gaz. On se remet full flaps. Oh putain, comment ça gigote. Oh, oh la vache. Oh, ça sent la merde. 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 Oh, putain. Oh, putain.
Oh putain. Oh putain. Oh putain, on l'a toujours pas touché. On l'a toujours pas touché. Oh putain. Et ça touche toujours pas. Et... on a pas... Si, on a... on n'a pas crash. On n'a pas crash. On s'est juste posé sur la route. C'est pas un crash. Comment on règle le deal? Alors concrètement, si je devais réanalyser, je pense que le fait d'aller courir derrière la colline et de se prendre trop de hauteur, c'était vraiment pas le bon plan. Il aurait fallu faire un virage serré avant la colline pour être beaucoup plus bas. Tu dois faire un virage serré, pas voler. Voilà, c'est exactement ça. C'est vraiment, c'est à toi de valider. Aux États-Unis, c'est légal. T'es en sortie de piste, c'est légal aux États-Unis. Comment ça s'appelle ? On est. Est-ce que je. Ouais, en plus, il le disait en plus hein, qu'il fallait couper avant. Hein. C'est moi qui ai fait un mauvais choix. Est-ce qu'on reporte. C'est toi qui valide vu que j'ai voté. D'accord. Vous avez le droit de changer vous avez le droit de changer votre prédiction là ou pas là ? Si on regarde prédire. Moi je connais très très mal les prédictions, j'avoue. Attention, ça va crasher. Yep, nope. Parce que du coup, est-ce qu'on le refait parce que là, on va se le relancer viteuf, t'as vu. Est-ce que du coup, celui-là compte? Je sais pas quoi vous dire. On peut pas changer? Vous avez pas le droit de changer? Bon, on va dire... Alors du coup, on va dire que celui-là, il est considéré comme crash. Comment je valide? Pour moi, celui-là, il est considéré comme crash. Hein. Je sais pas si tu peux le valider ou pas comme tel. Je sais pas comment on valide, mais pour moi il est considéré comme crash. Il est échoué complètement. Attendez, on va se remettre. Et merci pour les pesetas. Et du coup, t'avais voté quoi, Papa Noël? T'avais voté que j'y arrivais ou que je fail? Attends, t'as marqué quoi? Baptiste en F-150, il a rien demandé, c'était un peu ça, ouais. On a croisé quand même un gros truc en cours de route, là. C'est vrai qu'on lui a fait un peu le museau, quand même, avec sa bagnole. T'as voté que j'atterrissais? Chez Papa Noël. Attends, allez, on y va. On la retente, là. Oh, ça va être chaud, putain. Je le sens pas. Même là, je le sens pas. Oh là là, oh là là. Oh putain, oh putain. T'as même, je suis à fond de palonnier. Hein. Oh putain, ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit. Putain, la vache, il est dur. Oh. Allez, 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 frein, allez, frein, monsieur, allez, frein, monsieur. La même, on refait la même. On se retrouve... Bonjour, c'est ici qu'on peut acheter des churros. J'ai appris qu'on pouvait prendre des churros. Ah, celui-là, il est fail de chez fail. Hein. Mais on est d'accord, hein, pour moi, voilà. Du coup, j'ai bien fait. Il est fail. Clairement, il est dans la faillance la plus totale. Son avion est quand même sur le côté. Non, là, en plus, là, le deuxième, il est en mode tordu. Le jeu m'a arrêté avant le crash, mais ça sentait le crash quoi qu'il arrive. Le premier, on aurait pu penser que. Pour valider, il faut que tu ailles dans la vue modo et que tu choisisses la bonne réponse. Ah, alors allons-y, faisons cela tout de suite. Paramètres du chat. Je suis dans les paramètres modo. Alors attendez. Comment je check ça, moi? Ah, attendez, parce que du coup, la modération... bougez pas. Comment je fais ça? Bah merde alors, comment je fais ça? À gauche dans les icônes. À gauche dans les... Ah oui, non, mais non, du coup, je peux pas le faire comme ça. Oui, il faut d'abord vraiment que j'aille physiquement dans les... Ok, alors attends, faut que j'aille vraiment dans le truc. Bougez pas. C'est vrai que moi, j'ai pas encore géré, moi, les trucs. Alors, dans le gestionnaire de stream, je devrais pouvoir m'en sortir de ça. Bougez pas. On va se valider ça. Où est-ce qu'on peut se checker ça?
Mais je comprends pas où c'est. Chat fenêtre, machin, truc chemin. Attendez, c'est pas ça. Donc on va aller dans la vue. On va vraiment purement dans la vue modérateur. Alors, hein, puisque on peut pas faire autrement. On va faire ça. Bougez pas. Je vais aller sur ma chaîne. Je vais mettre le slash modérateur. Ah bah et du coup en plus il me met le son cet abruti. Hop. Tac. Voilà. Je n'ai pas le droit. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Alors attendez, Mouchou est en train de me donner les trucs là. Bah ouais, je vois bien que c'est dans les trucs comme ça là, mais moi j'y ai pas accès parce que j'ai pas la vue modérateur sur mon propre truc. Bon, je vous fais ça juste après le live, mais considérez qu'on est dans le... Est-ce que ça va se crasher? Yep. Donc on est dans le yep, hein. Considérez que le crash est considéré. On va se finir sur une dernière destination du coup. Je ne sais pas où. Vous avez une... Faut passer à la caisse. Vas-y, Aboul le pèse. 21h à Vennes, ce sera la soirée spéciale de 21h à 23h. 21h22, on fait du Gartic Phone, et de 22h à 23h, on sera avec la chérie et on vous réserve une petite surprise. Alors, où est-ce qu'on finit notre dernier, où est-ce qu'on va finir notre dernier vol? Quelque part par ici là, on va se reprendre un petit peu le World Update. Qu'est-ce qu'on a de sympa? Ah ça, je voulais voir le Canadian National Vimy. Voilà, on va aller se prendre ça. C'est parti. On va aller voir ça. Salut Papa Noël, bon après-midi à toi, on se retrouve demain. Donc oui, je sais plus si je l'ai dit du coup, donc effectivement la soirée spéciale de vendredi, donc elle va être découpée en deux parties, de 21h à 22h, on fera un Gartic Phone avec certains réguliers. Donc là-dessus, on en discute tranquillement sur le Discord. Et ensuite, donc n'hésitez pas quand même à être présent sur le live, parce que Gartic Phone, c'est toujours une bonne grosse tranche de rire. Et de 22h à 23h, on reprend le live avec juste Rafa et moi. Et voilà, on vous prépare un petit jeu surprise sur lequel vous allez pouvoir jouer. Et ça va être une petite pépite, je pense, qui restera dans les annales du stream, en tout cas de ma chaîne. Bon, sur ces bonnes paroles, moi je voulais voir ce petit National Monument là, ça m'intéresse bien. On va sortir les flaps histoire de s'en servir un peu comme aérofrein. Ah, il a de la gueule, hein, ce... Je savais même pas qu'il était... Je savais même pas qu'il y avait un monument ici, un monument canadien. Et je suppose que c'est un mémorial pour les soldats canadiens qui ont dû se poser par là, je pense. Je suppose, hein, je suis vraiment pas... Je sais pas trop ce que c'est exactement. Ah, il est pas mal, là. Il y a même une petite statue devant. Ah ouais, il y a plusieurs statues devant, là. Ah ouais, modélisé sympa quand même le truc, hein. On va se remettre du gaz, sinon on va se casser la gueule. Oh, on va se casser la... J'ai rien vu venir. J'ai pas eu le temps, on avait déjà décroché. C'est bizarre parce que pourtant la vitesse semblait bonne. Et je sais pas pourquoi, on s'est crashé comme une vieille chaussette. Je suis extrêmement déçu. Je suis vraiment déçu, je pensais qu'on était large. Il est où du coup le bousin? Il est là, tac. Oh, je suis vraiment déçu. Passer entre les deux tours, je suis pas sûr que ça soit très très possible. Hein. Faudrait juste passer, tu vois, t'as les deux tours comme ça, faudrait juste passer une aile comme ça, là, ça va être chaud chaud chaud. Hein. Allez, on va essayer de pas refaire la même connerie, on va se prendre un petit peu plus de... On va se mettre un peu plus large.
Le mec, il arrive à poser sans trop de dégâts en Alaska avec un vent à décorner les meufs, mais regarder un monument sans se planter, c'est au-dessus de ses forces. Je te rappelle mon mantra ou comment ça se passe, Franck ? Prouver par l'exemple qu'il y a pire que toi. Mais mes fails sont à la hauteur de mes wins épiques. Non, mais voilà, regarde, c'est bon, là, on est bien, là. On est easy, regarde, on est bien, là. On circle, tranquille, pépouze, on se donne pas trop d'angle, on est bien, là. On va même se mettre vu de l'intérieur, tiens, ça va être rigolo. Bouge pas, on va se mettre un peu... Regarde comment c'est beau, là. Bon, il y a l'aile qui gêne. Est-ce que quelqu'un pourrait m'enlever l'aile, là? On voit que dalle, c'est insupportable, c'est chiant. Qu'est-ce que c'est gênant. T'as franchement les ailes, on se demande à quoi ça sert, hein, sur un sur un avion. Hein. On voit pas la vue, c'est dégueulasse, c'est nul. On va se poser dedans. Hein. Enfin, dedans. Devant. La question, c'est est-ce qu'on arriverait à se poser dans l'axe et de se poser du coup sur le... Pas sur, tu sais, sur le... La, comment ça s'appelle? Sur le truc du monument, là, tu vois, le, comment dirais-je, le... Le machin là, le... Ah, le parvis. Est-ce qu'on arriverait à se poser sur le parvis du monument? Ça... C'est... Ah, putain, le virage à basse vitesse, il aime pas du tout. Hein. Il aime pas du tout. Bon bah tant pis. C'est pas grave. On va se laisser... on va tranquillement se laisser sur cette vue sympa du coin. On va se trouver l'endroit le plus fun. Où est-ce qu'on va? On va aller par là-bas? Ça m'a l'air pas mal là-bas. Hop. Par là ou par là? Par là, peut-être, plutôt. Ouais, ça, c'est bien. On va se prendre ça. Hop, plein gaz, demi-tour. Bon, allez. Bis repetitas. La même, mais vraiment la même. La perte de contrôle en virage à basse vitesse. Mais c'est parce que je suis con, aussi. Qu'on soit clair. Hein. La basse vitesse comme ça, c'est pas fait pour virer. Faut arrêter de déconner. Tu vires pas à basse vitesse comme ça, sur un virage serré, alors que tu perds complètement... T'es déjà en limite de décrochage. Tu vas pas mettre tes ailes comme ça en disant « Tiens, j'ai quasiment pas de portance. » On va retenter quand même d'en enlever un petit peu, histoire d'être sûr. Ça ne se fait pas. On ne fait pas ce genre de choses. C'est débile. Donc là, il n'y a qu'une seule personne à blâmer. Hein. Clairement, c'est moi. Alors, sur ces bonnes paroles, les loulous, moi, je ne vais pas vous laisser sur une vue aussi dégueulasse, faut pas déconner. Hop. Pour moi, il va être temps de reprendre le boulot. Je vous laisse sur une petite vue plutôt pas dégueulasse. On va se garder, la vue comme ça. On va se reprendre les contrôles. Merci à tous d'être passés, je suis désolé encore pour le retard. Pour info, le décrochage incliné à basse hauteur en regardant un truc, ça fait un ou deux rapports d'accident par an. Bah, je me doute bien que c'est le truc con, t'es en train de regarder, t'es en basse vitesse, tu fais ton truc comme ça, tu regardes pas tes paramètres, tu te casses la gueule. Ça me semble assez obvious que l'humain n'est pas capable de gérer 30 trucs en même temps. Quand tu vois déjà le nombre de personnes qui se prennent des poteaux en marchant alors qu'ils sont en train d'envoyer un texto, tu te doutes bien que envoyer un texto pendant que tu conduis, voire même pendant que tu voles, c'est pas la chose à faire. Sur ce petit message de la sécurité routière, je vais vous souhaiter une très très bonne journée à tous. On se retrouve tout à l'heure de 18h à 20h en continu Outrider avec Mouchou si elle est disponible. Sinon, on ira sur du Unlisted. Et on se retrouve demain midi pour la pause déj et demain soir pour la soirée spéciale, la sécurité volière. J'aime bien le concept. Je vous fais à tous des très 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 gros bisous. Moi, je file me récupérer un truc à manger et me remettre au boulot. Merci à tous d'être passés, d'être venus. Merci maman, évidemment, pour le sub. Merci pour les nouveaux follow. Merci... alors attendez, je vais juste vérifier. Merci Marocchino pour le follow, évidemment. Merci VDS, ma petite maman, pour le sub. Ça fait super plaisir. Trop cool ce rendez-vous de midi. Mettez-vous sur le haut côté. Interception par les tirés 5, tu sais. Monsieur, mettez-vous sur le haut côté, s'il vous plaît. Mettez vos clignotants et mettez-vous sur le haut côté. Coupez le moteur et descendez du véhicule. Allez, plein de bisous à tous. Bon après-midi, à ce soir et sinon à demain pour ceux qui veulent la pause déj. Ciao, ciao.
Mort de rire, les mains contre l'hélice. Merci de couper l'hélice avant, hein. Soyez pas cons, les gars.